Comme chaque année, nous nous retrouvons au mois d'avril ici à Badiana pour organiser une édition des Journées Guiltres depuis 1991, à l'exception d'une année, je crois. Et que cette année, la particularité est que, en se quittant l'année dernière, on avait comme objectif de réaliser la clôture, le mur de clôture du poste de santé pour mieux sécuriser le poste, permettre au personnel de santé de d'avoir des conditions idoines pour pouvoir améliorer la santé des populations de Badiana. Donc nous avons pu réaliser cet édifice et donc cette année la particularité était de l'inaugurer lors de cette cérémonie officielle d'ouverture. Vous ne semblez pas attendre les autorités pour régler vos propres problèmes. Effectivement, c'est cela qui a donner naissance à ces journées qui traitent l'économie de Badiana. Vous savez, depuis avant les indépendances, nous avons pu bénéficier des trois salles de classe que vous avez vues, un poste de santé avant les indépendances. Mais ce sont des édifices qui tiennent jusque-là. Et depuis lors, on peut dire qu'on n'a pas d'autres réalisations venant de l'État. Et les jeunes de Badiana, pour la plupart, se sont réunis pour, disons, esquisser des solutions qui peuvent permettre aux populations elles-mêmes de se prendre en charge en attendant que l'État réagisse dans d'autres secteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, disons, créé cette association depuis 1991. Et qui est, comme je l'ai dit, un cadre d'échange qui permet aux uns et aux autres de faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence. Nous avons pu réaliser beaucoup de choses, des salles de classe au niveau de l'élémentaire, au niveau du CM, toutes les salles qui sont là-bas, qui sont au nombre de 9, sont le fruit des journées guiltres, même si d'aucuns les considèrent comme des abris provisoires. Mais nous avons fait avec les moyens du bord, et qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, tout ce qui est pratiquement à Badiana est le fruit de cette organisation. Notamment la maison des jeunes qui nous a coûté 30 millions de francs CFA, l'hébergement de la charge femme d'État et de l'ICP, l'infirmier chef de poste, tout ça a été réalisé par ces journées qui traitent. Certaines salles de classe aussi, au-delà du fait qu'elles ont été construites, ont pu être équipées. Et c'est cela donc l'objectif de ces journées qui traitent. Chaque année, nous avons un projet, sûrement après cette édition, parce que Dieu fait qu'après une édition, on a minimum, nous sommes un village, on a minimum un bénéfice qui tourne autour de 4-5 millions. Et donc nous affectons ce produit à une réalisation de quelque chose. Donc, Inch'Allah, dès jeudi, on va se prononcer sur la prochaine étape de nos actions. Aujourd'hui, dites-nous, comment vous faites pour fédérer toutes les forces, pour réussir en tout cas ce pari? Je crois que c'est ça la force du village de Badiana. Ici, qu'on soit fonctionnaire ou pas, qu'on soit paysan, qu'on ait un autre métier, tout le monde se retrouve dans ce que nous faisons. Même les vieux qui ont 80 ans aujourd'hui participent, contribuent à la même hauteur que nous autres. Nous avons, créé ce qu'on appelle une carte d'accès. Et cette carte d'accès est en réalité notre participation, contribution personnelle chaque année à la réalisation de ces projets. Cette carte, nous la vendons à 3500 francs à tout Badianois, qu'il soit là, qu'il soit en Gambie, en France ou ailleurs. Et donc, cela, aussi bien les femmes et les enfants aussi ont compris cela. Parce qu'effectivement, nous faisons du concret. Parce que chaque année, il y a des réalisations. Au-delà des réalisations, nous faisons aussi des journées de consultation gratuites pendant une semaine. Demain, par exemple, il y a une consultation dentaire. Il y a eu, au moment des vacances, d'autres actions qui ont été menées, etc. etc. Donc, les populations s'y retrouvent. C'est la raison pour laquelle, quand on appelle, tout de suite, tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas nés ici, qui sont ailleurs, donnent leur contribution. Nous avons des parents qui sont en France, et chaque année aussi, ils contribuent en envoyant leur modeste contribution. C'est vrai que tout au début, les journées étaient juste
que culturel. On faisait des cotisations et après 3-4 jours, on bouffait tout. Hein. Vous savez, le Diola, il aime aussi faire la fête. Et quelques années après, je crois 2 ou 3 années après, on s'était arrêté en évaluant pour dire on ne peut pas faire ce déplacement, on ne peut pas faire ces sacrifices pour ne rien réaliser. C'est de là qu'on a ajouté le volet économique et depuis lors, voilà ce que nous faisons. N'est-ce pas là un bel exemple à suivre hein, pour les autres villages? Oui, je pense que dans notre zone, nous sommes le premier village à organiser ce genre d'activité et depuis lors, nous sommes dans une commune de 25 villages. Tout le monde maintenant fait la même chose que le village de Bayana. Et cela est une fierté pour nous, parce que le village de Bayana est un village pilote. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a 3 autres villages qui sont des villages jumeaux qui viennent chaque année apprendre de ce que nous faisons. Et maintenant, lors de leur journée qui traîne, les populations de Bayana se déplacent aussi en masse et prennent en charge l'organisation pour leur permettre eux aussi de faire ce genre de réalisation au niveau de leur village. Après la réalisation de la grande mosquée, la réhabilitation de la grande mosquée, vous avez construit également aussi le foyer des jeunes et également aussi le poste de santé. Est-ce que aujourd'hui, en tant que sportif, est-ce que vous pensez au stade de Bayana? Je pense que je dois rectifier que nous n'avons pas construit le poste de santé. Le poste de santé actuel est l'œuvre de partenaires d'ONG. Hein, donc c'est un projet qui a été piloté par l'État du Sénégal. Nous, on a fait que clôturer le poste et, disons, construire un logement pour le personnel de santé. Comme vous le savez bien, c'est vrai que je suis sportif, mais si vous avez bien remarqué, il y a un pan déjà du mur qui concerne aussi bien le poste de santé que la maison des jeunes. Alors nous n'avons pas des moyens qui nous permettent quand même de faire des réalisations d'un coût élevé, assez élevé. Nous y allons avec nos moyens, nous réfléchissons. Ce n'est pas que le stade ou le terrain, ce n'est pas un stade, c'est un terrain de football. Il y a aussi d'autres salles de classe qui commencent à être vétustes. Je crois que la réflexion va être lancée et nous allons essayer avec les moyens, nos moyens, de faire ce que nous pouvons. Maintenant, si l'État nous vient en aide, ce sera Alhamdulillah.